Nespro UBS, le premier logiciel de gestion universelle, a été présenté au 42e Salon international des inventions de Genève en Suisse du 2 au 6 avril 2014. Sur les 790 exposants venus de 45 pays, l'Afrique était représentée par trois inventeurs venus du Sénégal, du Tchad et de la Côte d'Ivoire. Le plus grand rendez-vous annuel au monde consacré à l'invention a été l'occasion pour l'inventeur ivoirien Koulibaly Pierre Dibril de présenter au sommet mondial un produit high-tech issu du génie africain. Nous l'écoutons. Oui, je suis Koulibaly Pierre Dibril. Je suis de la Côte d'Ivoire, inventeur d'une méthodologie de conception de logiciels de gestion universelle. Et je suis à Genève pour présenter cette méthodologie et son prototype qui est Nespro UBS. Nous avons ce prototype qui est déjà prêt à être commercialisé et nous sommes à Genève pour rechercher des partenaires avec qui nous allons distribuer rapidement ce nouveau type de logiciel qui fait quoi? C'est un logiciel que nous recommandons à être préinstallé sur l'ordinateur et qu'on va utiliser chaque fois qu'on a un besoin de gestion, quel qu'il soit. Nous allons utiliser ce logiciel pour réaliser notre gestion. À l'intérieur du même logiciel, nous pouvons faire autant de gestion que nous voulons et nous pouvons le faire seul ou bien à plusieurs si nous sommes en réseau. Aujourd'hui, il n'y a pas sur les ordinateurs un logiciel de gestion capable de remplir cette fonction, d'être préinstallé d'office, un peu comme Word et Excel, et être utilisé dès qu'on en a besoin. Nous proposons cela pour améliorer la vie des entreprises, améliorer le quotidien des utilisateurs d'ordinateurs, améliorer également l'économie de nos pays, nos différents pays. En gros, améliorer le climat des affaires avec une informatisation précoce et systématique. Je vous remercie. À l'issue du salon qui a duré 5 jours, le jury international a décerné à Nespro UBS de Côte d'Ivoire la médaille d'argent dans la catégorie informatique. Pour cette distinction de niveau mondial, l'inventeur ivoirien Koulibaly Pierre Dibril a reçu les félicitations du délégué spécial de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI et de l'ambassadeur de la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU à Genève. Rappelons que Nespro UBS a déjà obtenu plusieurs distinctions à travers le monde.